Un bon praticien ou une bonne praticienne en hypnose, il fait vraiment du sur-mesure pour la personne. L'hypnose thérapeutique, elle a vraiment pour but d'accompagner la personne de manière bienveillante, d'être à son service, de vraiment l'accompagner vers son objectif. Il y a vraiment plusieurs types de techniques qui rentrent en compte dans une séance d'hypnose. Ce thérapeute, c'est une personne qui a une formation pour accompagner, qui a un cadre, qui souscrit à une charte de déontologie. Il sait poser les bonnes questions, il sait vous amener à vous questionner. Et déjà pendant l'entretien, il peut y avoir des déclics. C'est déjà le début du travail. Là, on va rentrer dans un état de conscience modifié. Donc c'est le praticien ou la praticienne qui vous accompagne. Quand vous êtes dans cet état de conscience modifié, vous êtes toujours là, hein, vous êtes toujours présent. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever et partir. Et quand vous êtes dans cet état-là, le praticien ou la praticienne va vraiment vous accompagner selon diverses techniques, selon divers protocoles et selon votre objectif. Il peut y avoir des métaphores, des images. On va vraiment s'adapter à la personne, à son univers, à ce qui lui fait du bien, à ce qui va permettre vraiment d'activer ses ressources. Par exemple, on peut, dans certains cas, faire des voyages dans le temps pour la confronter à son enfant intérieur, à la personne qu'elle était à un moment de sa vie. Et tout ça dans le but, en fait, d'activer ses ressources, d'avoir des prises de conscience, de changer les choses dans son présent, dans son quotidien. On peut aussi aller dans le futur. On peut vraiment faire énormément de choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est infini, les possibilités. Ça va vraiment être du cas par cas. Et un bon praticien ou une bonne praticienne en hypnose, il fait vraiment du sur-mesure pour travailler avec son consultant ou sa consultante.